Bonsoir, c'est parti pour une nouvelle soirée de folie, 100% live, 100% libre antenne, du jeu vidéo vintage sur Atari, c'est bien sûr rétro dodo. Avant d'aller dodo, un peu de jeu vidéo. Avec une soirée spéciale, conquête de l'espace envahisseur. Les envahisseurs sont là, sont parmi nous. C'est la rencontre du troisième type. Nous allons nous faire envahir par des envahisseurs de l'espace. C'est une soirée spéciale Galaxian. Non pas Space Invader, mais Galaxian. Sur Atari. ST 520 1040. Oh, la musique ne marche plus. La musique commence à fatiguer. Eh bien, nous allons lancer ce soir un superbe shareware. C'était un shareware à l'époque. Développé par Sinister Development, Sinister Development en français, un groupe de programmeurs de folie qui développait sur ST autour de l'année 92-93, au siècle dernier, des développeurs écossais qui ont fait de bonnes productions à cette période-là. Alors là, j'ai plus de musique, hein, parce qu'en fait, ils avaient décidé d'arrêter la musique au bout d'un moment. Ça va peut-être revenir, je ne sais pas. Non, ça ne revient pas. Oh. Bon, et ben, comme c'est comme ça, tout de suite, on va démarrer avec Galaxian pour découvrir tout de suite le jeu. Alors, c'est parti, attention. Non, je vais d'abord... Je vais d'abord sélectionner mes touches parce que, en fait, je ne sais pas si ça se joue au... Ça se joue en tout cas au clavier. J'ai pas bien compris si ça se jouait au joystick. Donc, je vais essayer de trouver des touches, combinaisons de touches qui marchent bien, où je suis bien à l'aise. Et là, je suis pas vraiment à l'aise avec le clavier. Donc, je sais pas trop comment je vais faire. Je vais peut-être changer un petit peu mon micro. Voilà. Je vais faire plutôt comme ça. Tac, tac. Et si je faisais comme ça? On va essayer comme ça, tiens. Allez, c'est parti. Donc, pause, on met ça. Abort, on met ça. Left, on met ça. Right, on met ça. Donc, en fait, il n'y a que trois mouvements, puisqu'on ne peut pas monter et descendre. Là, on remet la même chose. C'est pour le deuxième joueur, je pense. Voilà. Mais comme je suis tout seul, on jouera tout seul. Et donc là, je lance et c'est parti. Attention. Nous allons conquérir et défendre la Terre avec notre superbe vaisseau. Voilà, là j'appuie comme un fou puisque c'est un shoot 'em up. Ah, ah, oh putain, merde. Ah, putain, j'ai... Aïe, 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 ça bug. À cause de Windows qui a détecté cette fameuse... J'ai choisi une mauvaise touche, en fait. Donc il faut que je change de... Il va falloir que je change de Fire parce que ça va pas. C'est le fameux, vous savez, j'ai toujours jamais compris ce que c'était d'ailleurs, quand on appuie plusieurs fois sur Shift, ça lance une fenêtre. Et là, ça m'embête pas mal. L'explosion est sympa, alors on parlera de Galaxian, bien sûr. Un jeu culte sur borne d'arcade. The game is over, c'est déjà fini. Oh là là. Alors, la musique revient. La musique est là, tombée à la renverse. Alors, on recommence. Hop, hop, à Fire. Et là, je change. Hop, voilà. À
Allez, c'est reparti. Nous allons conquérir l'espace. Nous allons conquérir la galaxie. Alors là, je suis appuyé comme un fou. Hop, 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 hop. Oh là là, le monde. Alors franchement, j'avais oublié que c'était aussi difficile. Hein. Je trouve pas forcément le vaisseau très rapide. Ouais, c'est pas pratique, là, les touches que j'ai choisies. Parce que là, en fait, je pensais que ça serait plus pratique. Mais c'est pas pratique, Patrick. Hop là. Oh là 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 là. Décidément, je défends mal la Terre et j'ai déjà game over. Dis donc, niveau rat. Faut pas mettre ça dans les salons, hein, parce que dis donc. Allez, on refait. On refait les touches encore. On pourrait faire une soirée DJ ce soir. 100% 8 bits. 16 bits même. 32 bits, pourquoi pas. C'est parti. C'est reparti pour Galaxian. Donc dans Galaxian, alors je me souviens, enfin, je n'ai jamais joué à l'original, hein, je suis trop jeune. Mais j'ai souvenir que, alors en fait, moi j'ai connu une autre version qui s'appelait Galaxia, qui était diffusée sur le premier STMAG avec disquette. C'était d'ailleurs le seul jeu qui était présent sur cette disquette. Ça devait être en novembre 91 de mémoire. Ah, j'ai déjà game over. Ah bah super. Y a pas mode facile là, parce que... Et dans option là, si je vais dans option là... Ah, on peut choisir les vies. Ah bah c'est bien ça. 4. Oh ouais, oui. Allez, on met le max, hein. 9. On peut tricher, heureusement. Normal screen, c'est quoi ça? Remove button border. Oh là là. Bon, on va essayer, hein. Il y a aussi, on peut changer le timer du CPU. CPU timer, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais plus, ouais, je vois pas trop. C'est parti. Hop. Ah, bah si, on peut jouer joystick en fait. Ah bah, je vais faire en mode joystick, allez, c'est parti. Et comment on démarre? Ah oui, attends, je comprends rien. Là. En fait, il change les menus. Pas... On va essayer au joystick, enfin, c'est aux touches, mais. Ah ouais! C'est pas pareil là. Hein. Ah, en fait, il doit y avoir des histoires de. De VBL ou HBL, oups, pour aller peut-être plus rapidement, mais bon, là j'ai plein de vie là. Alors je sais pas si c'était les sons d'origine parce qu'ils sont un peu nuls, mais il y a des chances. Hein. Donc en fait, c'était un peu ça, les... vous aviez des. Les extraterrestres, ils bougeaient dans Galaxian, contrairement à Space Invader. Sur Space Invader, vous aviez... Bah, ils bougeaient pas, en fait, les... ils bougeaient pas, les méchants. Et là, dans Galaxia, c'était encore mieux, ils bougeaient. Ils étaient mobiles. Qui rajoutait de la difficulté, d'ailleurs. Alors j'ai l'impression que malheureusement, sûrement dans le jeu original, le fire du vaisseau est quand même pas terrible. Il est un peu lent. Il faut bien... Alors ça permet de bien un petit peu anticiper, calculer les trajectoires, mais c'est pas super rapide et ils auraient pu faire quelque chose d'un peu plus rapide. Je pense pas que l'original était comme... Et je pense que l'original devait être comme ça. Hein. Oh là là, je me fais défoncer. Oh là là! Pff, oh là là!
Super. Je sens que ça va être un super live là avec Galaxian. Ça va vous donner envie d'y jouer, hein. Oh là, mais j'arrive même pas à les... Fou, c'est hard, hein. Je vais peut-être enfin finir un niveau, enfin. Oh là là, j'arrive pas. Ah oui, c'est vrai que j'avais oublié qu'en fait, ils reviennent. Quand vous les tuez pas, ils reviennent. Des fois même, ils sont encore plus énervés. Je sais pas si c'est comme ça dans l'original. Oh là là, mais... Oh là là. Et bah, c'est game over avant de... Voilà. Ah, j'ai presque fini. C'est quand même dommage. Ah, on peut mettre mon nom. Enfin, je fais partie des high scores. Pourquoi je peux pas descendre là? Ah, en fait, faut... Ah oui, parce qu'il y a deux boutons. Super intelligent, ça. Comme il n'y a que deux boutons, il faut parcourir les lignes. Bon. Ah, bah mince. Et bien sûr, pour retourner en arrière, il faut aller tout en bas. Oh, comme c'est super pratique. Oh là, en plus, je me suis trompé. Oh. Il faut remonter. Oh là là, bien joué, player 1. Ouais, bah... Pourquoi j'appuie deux fois, ça marche pas. Super, le truc, c'est super fiable. Faut appuyer deux fois, trois fois. Ouais. C'est pas super pratique, hein. Alors, est-ce que c'est buggé ou pas? Pourquoi l'émulation foire comme ça? Ça me fait penser à des claviers qui bug. J'espère que c'est pas mon PC, le clavier de mon PC qui se met à bugger. Puisque c'est un bug un peu connu des sur les claviers de cette marque. Où des fois on appuie deux fois et on a deux caractères. Enfin, c'est un peu n'importe quoi. Ouais, je suis dernier! Ouh putain, sur le chat ça bouge! Oh, ça bouge! On a un certain DSP56001. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Peut-être un processeur d'un ordinateur Atari. Bon oui, alors dans le chat DSP me dit il y a des bugs. Ouais, alors, en fait, dans le dernier chat stream, j'avais parlé des bugs avec l'émulation du processeur clavier. J'ai envie de repasser quand même en mode normal, hein, parce que là, on peut bidouiller, mais... Alors, c'est quoi? Je suis en mode facile, là? Ah bon. Normal, F6... Que je joue encore au clavier, hop. Player one. Allez, c'est reparti. Ils attendent pas, hein, les méchants, là. Ils veulent nous envahir. La Terre va être envahie. Nous avons peur. Ah, bah là, ça marche plus, là. Pourquoi ça marche plus, le clavier, là? Ça y est. Alors, ça me l'a déjà fait. Ça arrive que, pendant ce jeu-là, ça bug. Et là, bah, ça y est, ça bug, là. Super, je peux pas jouer. Oh là là, ça a tout bugué là. Ouais, je vais essayer de mettre pause, mais j'y crois pas trop, parce que tout à l'heure, j'ai eu le problème. C'est un peu bizarre. Encore une histoire d'émulation foireuse. Et là, c'est mal barré, je pense. C'est marrant, ça fait penser au bug. Ça pouvait arriver, pour ceux qui connaissent. Des fois, le clavier de l'Atari ST, souvent au démarrage ou après un reset, il tournait en boucle, comme si des touches tournaient en boucle. Et là, ça, j'ai l'impression d'avoir le bug. Bon, bah là, je vais finir par mourir, hein, parce que là, ça tourne tout seul à droite. Bon, super soirée. Je sentais que ce live Galaxian serait un vrai plaisir. Mais alors, on n'a pas encore parlé des anecdotes. Oh là là, bon.
J'attends la mort. Tuez-moi, extraterrestre. Ah oui, si je fais pause, non, ça... Bon, est-ce que ça va bugger? Ah ouais, alors là, voilà. Ah, mais si, ça marche avec les touches, là. Il y a un sacré bug, là. Il y a un sacré bug. Bon, je crois que je vais rebooter, hein. Oula. Bon, inquiétez-vous pas, hein. C'est le PC qui est pas assez puissant, hein. On a des PC à 2 milliards de gigahertz, mais... Oh là là. D'ailleurs, ça nous permettra de voir l'intro de Galaxian sur Atari ST. Voilà le fameux bureau GEM. Il y a un petit lecteur C que j'ai rajouté par rapport à la dernière fois. Voilà, c'est le disque dur. Je peux accéder à ma base d'images. Enfin, ça sert à rien là, mais c'est pour accéder à des fichiers via l'extérieur. Donc je relance ma disquette. Alors bien sûr, souvenez-vous, c'est la même disquette que la dernière fois avec Abominable. Et bien sûr, je me posais la question, mais quelle est cette version? Est-ce que c'est une version STMAG? Est-ce une version domaine public de Pressimage? Est-ce que c'est une autre version? Alors, ce qui est très bizarre, c'est qu'en fait, j'allais vous le montrer, mais je peux vous le montrer maintenant. Ce qui est bizarre, c'est que, ça ressemble beaucoup à la description de STMAG, de Pressimage. Alors, attendez, je vais aller sur la page qui correspond. Vous savez, dans STMAG 78, il y avait donc là, quelques pages sur les domaines publics Pressimage, des disquettes, donc on pouvait commander 50 francs la disquette de mémoire. Et donc là, donc ici, d'ailleurs, attendez, je vous mets en... Alors j'ai changé un peu la config, j'espère que ça fonctionnera. Hop. Voilà, là vous voyez maintenant la page. Voilà la page de donc domaine public. Et donc il y a une fameuse disquette où il y a Abominable, ok, comme sur la nôtre. Il y a Galaxian. D'ailleurs, ils en disent beaucoup de bien d'ailleurs. Ils disent pas que c'est dur, hein. Vous vous souvenez de Galaxian, un des grands succès des temps héroïques, les jeux de café n'existaient pas, de multiples processeurs, gna gna gna. Un shoot them up, croyez-moi, c'est rudement efficace. Bon, ah, ils essaient de nous le faire acheter, mais bon, je vais vous dire que là, j'aurais été un peu énervé, hein, si je l'avais acheté, hein. Et puis, un autre jeu, Prensorium, que je connais pas, et Stomp, qu'on essaiera peut-être tout à l'heure, puisqu'en fait, il est peut-être un peu mieux que ce que je vous disais la dernière fois. Et puis c'est bizarre, on retrouve aussi la démo de Legend of Valour qui est sur la disquette d'après. Alors c'est un peu bizarre, on trouve les mêmes contenus, alors bon. Donc voilà. Donc d'ailleurs pour information, il y avait donc quelques infos ici sur les domaines publics. Et comme beaucoup d'éditeurs de domaines publics, comme IFA, on en a parlé la dernière fois, ou Pressimage, il y en a encore, hein, puisque d'ailleurs nos amis du chat IRC m'ont rappelé que eux allaient chez SCAP à Paris il y a très longtemps, et que justement SCAP avait aussi des domaines publics, une collection à eux, bon, a priori, qui était plutôt intéressante. D'ailleurs, je pense que sur le chat DSP50001 confirmera, mais il me l'a déjà confirmé, donc on va pas se prendre la tête. Et donc en fait, voilà, donc c'est vrai qu'il faisait toujours un appel pour un appel aux auteurs pour s'ils voulaient publier leur logiciel. Alors bon, des fois c'était bien, des fois c'était moins bien. Hein. Voilà. C'est vrai qu'à l'époque, on faisait appel aux talents, et les gens ils programmaient et ils étaient publiés. Maintenant, ils font les cons sur YouTube ou Twitch et ils sont populaires. C'est comme quoi le monde avance. Voilà, donc je ne sais toujours pas. Alors, il y a un moyen de savoir. Donc là, on va repasser sous Steam. Hein. Il y a un moyen quand même de le savoir, puisqu'il faut aller... Alors, il y a un truc qui est quand même intéressant. C'est comme un CD. On a toujours l'information aujourd'hui sur nos systèmes récents, hein, comme Windows, Mac ou Linux. On peut aller voir l'information de la disquette, et normalement, il y a un nom. On peut donner un nom à la disquette.
Et cette disquette, elle s'appelle STF-47, donc a priori ça ne correspond à rien, simplement peut-être à disquette 47 pour STF. Bon, ça ne correspond pas a priori au domaine public presse image, puisque c'était les disquettes 1000 et quelques. Donc je ne sais pas. Alors moi je trouvais aussi que cette disquette, je la trouvais un petit peu lente. Alors bon, c'est peut-être moi qui ai un peu oublié les lenteurs des disquettes, même en émulation d'ailleurs. C'est vrai que cette disquette, donc elle est bien remplie, parce que là en fait, moi j'avais presque l'impression qu'avec tout ce qu'il y avait dessus, elle dépassait les 1 méga. Et en fait non, là elle fait bien 786, à peu près 786 1000 octets. Ce qui est un peu plus qu'une 720, hein, mais sur ST on pouvait un petit peu dépasser. Non, par contre, elle est bien remplie, parce que là, il reste 3000 octets. Donc, il reste vraiment plus beaucoup de place. Plus beaucoup de place. Voilà, voilà. Bon, hop, on continue. Donc, je ne trouve... C'est vraiment bizarre. Il y a même aussi le DSP. On le retrouve aussi sur... à ma connaissance, on le trouve sur les disquettes presse images. C'est très bizarre. Bon, peut-être ça, c'est vraiment le hasard complet, peut-être, mais c'est vrai que c'est après c'est surprenant. Là, il y a un programme DSP. Alors, je sais pas si c'est le même. J'ai pas vérifié. On va voir tout de suite. C'est censé être un programme DSP pour Falcon, bien sûr, qui est censé filtrer, je crois, des échantillons sonores, quelque chose comme ça. Donc, est-ce que c'est le même que... Ouais, j'ai l'impression que ça ressemble quand même beaucoup au... Ouais, Calord, c'est bien ça. Puisqu'en fait, sur ST Magazine, ils disent bien que c'est Calord qui a développé ça. Donc, a priori, c'est bien lui. Hein. Voilà, alors je n'ai pas testé ce... Pourtant, je connais très bien la programmation DSP sur Falcon 30. Mais je ne connais pas ce programme. Donc, bon, ça pourrait être intéressant à voir. Voilà. Et donc, on va faire un essai. Alors il y a toujours le fameux bug là de ah bon, bah, on va voir s'il se lance. Ça bah s'il se lance, bon. Là je l'ai lancé en moyenne résolution, hein, donc je sais pas ce que ça va me sortir. Est-ce qu'il va repasser en basse résolution ou pas, en 320x200, c'est une grande question. Ouais, Abominable se lance sans problème. Bon, le problème c'est qu'on voulait pas jouer à Abominable, on voulait jouer à Galaxian. Donc puisqu'on est lancé, je voulais vous le montrer aussi. Rappelez-vous, quand on cliquait sur Abomb et ensuite on cliquait sur abomb.prog, eh ben ça se lançait pas. Ah bah là ça se lance. Ah bah super, bravo. Le fameux bug. Bon. Super, super. Donc je passe un point à un imbécile. Donc j'ai vérifié. Alors ce fameux bug, en fait. Donc je vais voir si ça rebug. Voilà, le fameux bug. Qui me dit, en fait, au lieu de lancer le programme, qui me dit de vérifier le fichier. Donc on va le voir d'ailleurs, normalement. Voilà, c'est super. C'est pas vraiment exploitable. Hein. Voilà, c'est important de voir des programmes en binaire. C'est toujours intéressant. Super sympa. Bon, voilà. Et donc, en fouillant un petit peu, ben, j'ai découvert qu'il y avait le fameux, peut-être un bug... J'aime DOS sur les TOS, alors ça serait sur les TOS 1.4 et 1.6, donc des STF et des STE. J'ai téléchargé Poolfix. Il y a le 3, il me semblait qu'il y avait le 4, mais j'ai pas retrouvé le 4. Bon. Et quand je lance, il me dit qu'a priori le patch n'est pas compatible avec cette version du TOS, donc a priori ça n'a aucun rapport. Aucun rapport avec le bug d'Abominable. Et ce qui est surprenant, c'est que je crois que quand on lance Stomp, j'ai le même bug. On va voir. Ouais, voilà. J'ai le même bug sous Stomp. Bizarre. Et alors, j'ai découvert, je crois, une chose. C'est si je fais échappe. Alors, quand vous faites échappe sous j'aime, hein, ça recharge, en fait, la disquette, on va dire. Enfin, le dossier courant. Et là, si je reclique... Ah non, j'ai pas le bug. Pff, c'est vraiment aléatoire. Hein. Donc, en fait, ouais, je ne sais pas. Là, j'ai demandé aux copains du chat français Atari, le bar du coin, des anciens du monde Atari. Et il y a aussi des amigaïstes hein, aussi qui traînassent.
Et donc, bah, écoute, on n'a pas vraiment trouvé. Comme quoi, on n'est pas très fut-fut. Personne n'a su me donner une réponse, moi non plus, parce que ça, on ne s'est jamais trop pris la tête avec ça. Mais moi, j'ai un vague souvenir que ça pourrait être un bug du GEM avec les clics souris, mais bon. Il me semble qu'il y avait un patch qui s'appelait Eurofix, qui fixait un bug de la flèche, mais bon, je ne sais pas s'il faudrait que je le retrouve et je vérifie si c'est celui-là, si c'est ça ce bug. Ça reste encore un mystère, c'est vrai que 30 ans après, ça serait quand même intéressant de savoir pourquoi il y a ce bug. Moi j'ai l'impression que c'est plutôt peut-être de compatibilité disquette entre STF, STE ou quelque chose comme ça, ou entre TOS. Voilà. Donc on va leur relancer Galaxian. Et c'est parti. Galaxian, nous repartons dans l'espace pour défendre la planète Terre. Alors ce qui est drôle, c'est qu'il y a une belle intro digit pour présenter les développeurs. Vous allez le voir tout de suite. Le programme a été packé par Atomic Packer. Il prend donc moins de place. Oui, ça continue en boucle. Et donc on fait entrer. Et là on va voir la musique digitalise, la musique Soundchip, qui va nous faire danser toute la soirée. Et là nous dit choisissez votre langue. Alors moi j'ai choisi anglais parce que quand je choisis French, la dernière fois ça a planté. Et donc c'était un shareware, ça veut donc dire il fallait payer hein, si on utilisait le logiciel. Alors de base, comme c'était présenté, les shareware à l'époque, en gros on les envoyait gratuitement, mais c'était moral. Et donc si vous aimiez, vous pouvez envoyer un petit chèque de 40 francs, quelque chose comme ça, ou 100 francs à l'éditeur. Mais bon, avec le temps, très rapidement quand même, les éditeurs ils se sont dit on se fait un peu arnaquer, les gens sont pas très honnêtes, donc... on va faire des versions bridées ou alors envoyer des versions plus élaborées, comme avec les célèbres Doom ou Wolfenstein 3D. Et là c'est pareil, donc il nous dit, en plus c'est une sorte d'abonnement en fait, hein. On peut même commander les sources. Là c'était des pounds, pour les Anglais, de notre bonne reine Elisabeth II. Faudrait que je leur écrive, tiens, voir s'ils répondent à ma carte postale. Ah, ils prennent pas PayPal, hein, j'ai pas l'impression là. Hein. Ils prennent des chèques internationaux. Et c'est reparti pour Galaxian. Alors. Ça a l'air de foirer, ouais. Ça a l'air encore de foirer la partie joystick. Hein. Bon, après, c'est peut-être mal réglé dans l'émulateur aussi. Hein. Parce que je crois que j'ai bidouillé un petit peu.
parce que ça marchait pas justement. Bon là, j'arrive pas à faire. Décidément, c'est la folie là. Ça ne marche pas. Je vais quand même aller voir dans l'émulateur là, parce que... Non, c'est pas ici. Au niveau des touches, non, j'avais mis à peu près comme d'habitude. Putain, ça merde pas mal hein, quand même. Alors c'est vrai que j'émule un STE, d'ailleurs c'est peut-être ça. C'est vrai que vous voyez qu'en haut, j'ai découvert ça aussi, en haut à droite, vous voyez que c'est une version STF-M, donc sortie vidéo composite. Donc c'est une version STF, donc peut-être qu'il faudrait que je passe en version STF, ça marcherait peut-être un peu mieux quand même. Parce que donc il existe une version STE, par contre, je sais pas si c'est la... ce qui est sur la version Précimage, mais en tout cas sur cette disquette là c'est la version STFM et c'est bien marqué dans que si on veut la version STE il faut payer. D'ailleurs peut-être qu'il est difficile ce jeu parce qu'il voulait justement qu'on achète la vraie version. Je vais passer en STF et on reboot. Ah oui, il faut peut-être que je change de ROM aussi. Ça marche pas d'ailleurs. Ça reboot pas. Faut peut-être que je coupe. Là, c'est dur l'informatique, hein. Quelle idée de faire de l'informatique. Ah, ça y est, ça reboot. Bon, je vérifie que vous voyez toujours bien. C'est la grosse folie dans le chat. On parle de l'implémentation MIDI, mais j'ai pas compris pourquoi. Peut-être pour la puce ASIA, puisqu'en fait il y a une ou voire plusieurs, je ne me souviens plus, de puces ASIA qui gèrent en fait les interruptions clavier MIDI. Il me semble qu'il y en a un troisième aussi. Ah oui, pour les ports série. Peut-être même le. Alors il fait quoi là, l'émulateur là? Peut-être même les ports parallèles pour les imprimantes. Ah, ça a un petit peu changé. Ah oui, il est un peu perdu là. Là je suis en anglais en plus. Bon, c'est pas très grave. D'ailleurs, ouais, on va voir. Est-ce qu'il y a le fameux bug abominable? Non, il n'y a pas le bug. Enfin, il n'y a pas le bug. Ou alors, j'ai beaucoup de chance. Alors, on relance Galaxian, allez, c'est parti. Cette fois-ci avec un vrai STF et 512 kilo-octets de RAM, qui était révolutionnaire à l'époque, puisqu'il concurrençait le Macintosh, qui n'avait que 128 kilos, mais qui a rapidement contre-attaqué avec une version 512K, qui était quand même beaucoup plus agréable, puisque sur Macintosh, il fallait changer de disquette assez... fréquemment, et c'était un peu prise de tête. Tiens, ça bug un peu là. Après le TOS, c'est un peu une version 1.02, c'est pas la plus récente du STF, donc bon, peut-être que ça vient de ça. Après c'est quand même pas facile quand on développait un jeu de tester toutes les versions, même s'il n'y avait pas énormément de versions de TOS, il y en avait peut-être, je sais pas, allez, sur ST, il y en avait 6, allez, 6, 6, 7 quoi. Mais il fallait quand même, pour trouver 7 STF, ST avec toutes les versions, déjà trouver le TOS 1.0 c'était pas facile, 1.02 ça devait être plus facile, 1.04 aussi, après il fallait trouver un 1.06 sur STE, ce qui n'était sûrement pas facile sur tous les premiers. Le 1.62 était plus répandu. Puis après, il y a eu les 2.05, 2.06. J'en ai peut-être oublié au milieu.
Bon, là, qu'est-ce qui se passe? Pas l'air de bien aimer mon... Ma version... Hein. Ma version, en plus, c'est une UK quand même, hein, donc... Donc les Hollandais, les Écossais, ils devraient quand même aimer ça, quoi. Je vais peut-être passer un méga quand même pour la forme. Hop. Je reboot, je sais pas si ça marche. Voilà. On va retenter le coup. Allez-y sur le chat, c'est la folie. Alors, Galaxian. Vraiment, c'était en la pointe cet ordinateur. Hein. Vous avez vu l'interface graphique direct, on cliquait. Je crois qu'on n'a pas fait plus simple. Alors moi, j'ai toujours trouvé que ça manquait un petit peu de finesse par rapport au Macintosh. Je sais pas trop pourquoi. Bah, peut-être parce qu'en fait, c'est un peu grossier. La basse résolution est un peu grossière. Ah là, ça me bug un peu moins, on dirait. Bon, je vais appuyer tout de suite sur espace, comme ça c'est fait. D'ailleurs, il repasse en moyenne résolution. Ah, ça marche là. Voilà. Je vais boire un petit coup. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait un petit délai d'attente hein, pour cette version shareware. Il fallait attendre qu'il y ait la petite barre en bas. D'ailleurs, j'avais pas compris que ça voulait dire la barre d'espace avec les deux touches latérales. Alors j'ai lu que si on appuyait sur insert, ça pouvait faire sauter le message, mais ça marche pas là. Mais bon, je sais pas trop avec l'émulateur si ça fonctionne bien. Voilà, hop. Galaxian STF version. Alors, allez, on retente le coup de définir les touches. Alors, déjà, on va se mettre en vie. En vie 9. Voilà. Et on va passer en First Player Joystick 1. On passe en 10. Qu'est-ce que j'ai fait là? Bah le F10 en fait ça utilise le menu là. Ah là F1. Et c'est parti pour la conquête de l'espace. On dirait qu'il est un petit peu plus... Je trouve que les... C'est un peu plus rapide. Ah, ça a l'air de rebugger. Ah bah super, ça rebug. Dans l'autre sens maintenant. Pff, oh non. Oh là là, la catastrophe. D'ailleurs, à bord, je sais pas sur quoi faut appuyer. Pour... C'est peut-être d'elle, non? Je crois qu'on va recommencer au clavier parce que là, joystick, c'est une catastrophe. Ou alors c'est la souris, peut-être que je joue à la souris, j'en sais rien. Ah, ça bug là, super. Bon, bah, ça va être l'occasion de parler un peu du jeu quand même, puisque on n'en a pas encore parlé, j'ai pas vraiment eu le temps, je voulais vous faire une petite démo là, mais c'est un peu la catastrophe. Donc comme vous l'avez compris, ce jeu a été développé par Sinister Developments en 1993, a priori le 1er janvier, d'après ce qui est indiqué sur le scroll text, qui ne scroll pas vraiment, mais bon, qui texte quand même.
Donc il reprend le jeu classique Galaxian qui est donc sorti en 1979. Et on pourrait croire que ça serait aux États-Unis, et bien non, c'était au Japon, par notre ami Namco. Namco, eh oui. Éditeur japonais culte, à qui l'on doit. Alors je mélange alors, Taito et Namco. Je crois que c'est. Namco, c'est. J'ai révisé, j'ai déjà oublié. J'allais dire Bubble, mais là j'hésite maintenant. Là. Je sais plus si c'est Namco dans ses Taito ou Bubble. Hein. On va aller vérifier parce que là je peux pas. Donc Namco, c'est bien ça, Namco. Non, je vous dis une bêtise. Non, je me. Namco, c'est Pac-Man, voilà, c'est. Enfin, si je dis pas de bêtises, ou alors je me trompe encore. Oui, voilà, donc en fait, Namco, c'est Pac-Man. Et Bubble, c'est bien Taito, ouais, je me suis bien. Donc c'est Pac-Man, et oui. D'ailleurs, ça a été des grands succès sur Atari 2600. Par contre, l'Atari était bien américain, lui. Voilà, donc en fait c'était Namco, donc en fait pour l'édition arcade aux États-Unis c'est Midway qui avait repris la licence, qui est devenu plus tard, vous le savez peut-être, Atari Games. Voilà, donc il y a aussi Bally, donc je sais pas qui c'est Bally. Et donc en fait ce qu'il faut savoir c'est que beaucoup de jeux de cette époque-là n'ont pas vraiment été édités sur Atari ST. Sauf quelques jeux dont Joust par exemple, Defender, des jeux dont Atari avait la licence. Mais ces jeux-là, en général, bah, c'était souvent des développeurs indépendants qui faisaient des copies ou des choses comme ça. Alors là, je ne sais pas s'ils ont eu l'autorisation. A priori, ils ont quand même présenté les droits que c'était Midway, mais est-ce qu'ils ont eu l'autorisation? Je ne sais pas. C'est vrai qu'ils ont essayé de faire pas mal de copies d'arcade classique, Sinister Development. Donc bon, après des fois dans le doute ils disent allez on met le nom comme ça, il n'y a pas de problème. Donc là ils présentent bien que c'est ce qui est marrant, c'est qu'ils mettent que c'est Midway, donc en Europe je sais pas qui avait les droits d'ailleurs, parce qu'on parle du Japon et des États-Unis, mais en Europe je ne sais pas, peut-être c'est Midway aussi. Galaxian. Et donc ce qu'il faut savoir c'est que Galaxian, alors j'ai pas trouvé l'info vraiment, mais à l'origine c'est Spin Space Invader de Taito qui avait donc lancé un peu le concept du shoot'em up spatial, hein, voire le shoot'em up tout court. Et je pense que tout simplement Namco, ils ont voulu faire leur Space Invader concurrent, mais ils ont rajouté donc comme je vous le disais les extraterrestres qui se déplacent. Donc les deux ont été un grand succès. Hein. Et moi, comme je vous disais, donc j'ai connu Galaxia, un autre clone, moins officiel a priori, qui était très bien, donc dans le STMAG 56 de novembre 1991. Il faudra que je l'essaie, parce que là, si j'ai joué à Galaxia, je pense qu'il y aura moins de problèmes d'ailleurs, parce que de mémoire, il était plutôt bien fait. Bon là, il est bien fait, mais bon. Peut-être qu'il est un peu trop pointu techniquement. L'émulateur perd un peu la boule. Et puis ce qu'il faut savoir aussi, que c'était un peu à l'époque la folie de l'espace et des extraterrestres. Puisqu'on avait Steven Spielberg avec Rencontre du Troisième Type qui a terrorisé le monde entier. Donc ce que je vais faire, je vais rebooter parce que là c'est plus possible là. Voilà, on a eu aussi, un peu plus tard, mais on a eu E.T. De Steven Spielberg, toujours, qui cette fois-ci était un peu moins traumatisant, encore que.
Et en français, on appelait ET. ET, téléphone maison, en français. On francisait. À l'époque, on adorait franciser. Maintenant, ça fait pitié. On francise plus rien. On laisse les noms à la con. Encore que ça a un peu changé maintenant avec les plateformes de streaming. Et on laisse les noms à la con en anglais. Streaming house. Wolfering credits. Voilà. Alors que nous, on écoutait l'amour du risque. Bon, c'est reparti. Et donc voilà, c'était la folie extraterrestre. Et même nous en France, on a eu notre film d'extraterrestre. C'était Le Gendarme et les extraterrestres. Avec Louis de Funès et... Michel Galabru. Et puis un autre, Guy Crosso, Michel Modo. Et bien d'autres encore. Alors hop, on fait... Le Gendarme et les extraterrestres, c'était en 1979, on va dire plutôt 80. Et ce qui est drôle, c'est quand même, c'est sorti au même moment, quoi. On a eu, voilà, Rencontre du Troisième Type en 78, on a eu Space Invader en 1978, Galaxian en 79, Le Gendarme et les extraterrestres. Hein, cochon? Hein, cochon? Vous avez vu l'extraterrestre? Hein? Oh, mon adjutant, j'ai vu l'extraterrestre! Ah, ah, ma biche! Mais cochon, vous sonnez creux? Hein? Vous avez vu l'extraterrestre? Hein? Oui, ma biche! Ah, ma biche, vous sonnez... Et oui, toujours des... imitations de folie sur la chaîne de Rétro Dodo. Je vous avais promis des imitations, vous en avez eu droit. Allez, on redéfinit les keys. Donc là, left, right... Fire, left, right, fire. C'est parti pour la conquête de l'espace. Oh là 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 là. J'ai l'impression que c'est un petit peu plus fluide avec la version STF. Hop, oh là là, c'est dur. Ah mais en plus en vie, là j'ai que 3 vies. Donc en fait, Sinister Development, le nom me disait quelque chose, mais impossible de retrouver qui c'était. Et en fait, si, en fait, ils ont fait quelques jeux, mais ils ont aussi fait des utilitaires, notamment, et j'en ai parlé le dernier stream, c'était NDP, New Depacker, The New Depacker, et donc, il permettait de décompresser tout plein de logiciels ou programmes. Alors là, est-ce que ça bug encore? On va voir, tiens. A priori, non. Quand j'appuie... Aïe, aïe, aïe. Bon, a priori, j'ai pas de... Bon, c'est pas très grave. Oups. Et je peux pas faire entrer là? Comment faut faire? Pourquoi comment on fait entrer là? Ah si. Putain, j'aurais bien voulu avoir la musique pendant le jeu, hein, parce que c'est vraiment sympa. Bon, faut dire que peut-être, vu comme elle est bien, elle a l'air d'émuler un petit peu le Commodore 64. Elle doit prendre un peu de ressources. Moi, c'est des jeux gauche-droite, en général, j'aime, ça se joue très bien au joystick. C'est pour ça qu'à la clavier, c'est pas... Alors, en théorie, c'est quand même
pratique, mais moi j'aimais bien me balancer à gauche, à droite avec le joystick. On va donc mettre plus de vie parce que là c'est pas possible. En fait je faisais pas F10, je faisais F12. J'avais oublié que sur PC il y a plus de 12 touches de fonction. Pas comme sur Atari qui sont bien sûr limitées à 10. Ça suffit largement. Comme beaucoup, on se disait à quoi ça sert, puis finalement dans pas mal de logiciels professionnels, les touches fonctions, ça c'était quand même pratique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que bah, c'est vrai qu'il y a eu le Pong de Atari en 71, hein, 72, qui a été un énorme succès. Il y avait la fameuse anecdote que la machine est tombée en panne au bout d'une journée, je crois, ou une semaine. Parce qu'en fait, il y avait trop de pièces, tellement ça fonctionnait bien. Et donc, la légende aussi dit que au Japon, Space Invader, quand il a été lancé sur borne d'arcade, il y avait même eu une pénurie de pièces de monnaie. Alors, est-ce que bien sûr, après, c'est une légende, hein. Puis Galaxian, on sait pas trop. C'est vrai que, bon, moi j'aime, enfin, même si là c'est pas super sympa, j'aime bien quand même le Galaxia que je jouais. J'aimais bien, ils étaient un peu moins agressifs quand même, ces extraterrestres. Dans Space Invader, ce n'est pas le cas. Par contre, il me semble qu'ils tiraient, il y en a certains qui tiraient, si je me souviens bien. Bon, ça fait aussi un peu penser à Centipede, hein, de Atari. On a des lignes de méchants là. Hop. Allez! Oh, je vais jamais y arriver là. Ah! Oh, ça y est! J'ai fini un niveau! Oh! Ah! Ah, Cruchot! Des extraterrestres! Et mon adjudant! Oh mon dieu, nous sommes envahis! Hein? Il est temps d'appeler l'armée! Je pense. Alors, je sais pas si vous savez, mais les extraterrestres, en fait, si on les arrose d'eau, eh ben, ils se détruisent. Comme quoi, ça sert à rien de tirer des missiles, hein? Bon, allez. Encore perdu. Ah vraiment la musique. Les gros points positifs du morse du titre. Hein. Alors il y a un mode démo, je vais le mettre, comme ça je ferai une petite pause. C'est parti pour la démo. Thank you.
Ah là 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 là. Pas très long la démo, hein. Et donc, comme vous pouvez voir sur la démo, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que les méchants de chaque couleur sont plus rapportent des points. Faut donc détruire les aliens. Ah, j'ai oublié Alien aussi en 80. Ah, et donc là, ouais, je me souviens que des fois, ils se lâchaient. Ouais. Non, mais là, c'est trop difficile. Là. Bien. Maintenant qu'on a la musique, ce qu'on va faire, c'est que... On va revenir un petit peu sur... ST Magazine. Je vous parlais de SCAP, le magasin SCAP. Donc nos amis du Chatatari IRC France m'ont donné quelques souvenirs. Donc on va aller voir ça tout de suite. On retourne sur ST Mag. Et donc SCAP, comme je vous le disais, mais je crois qu'ils ont peut-être changé d'adresse, peut-être non. 62 Gabriel Péri à Saint-Denis. Donc oui, alors ça part. En fait, j'avais oublié, mais on retrouve dans les archives que SCAP était en fait l'éditeur français de Calamus, le célèbre logiciel de PAO, publication assistée à ordinateur, donc pour qui était un petit peu le top tendance à la fin des années 80. D'ailleurs, qui a eu un tilt d'or. Alors le magazine Tilt, le magazine papier jeux vidéo, avait fait un article des un dossier PAO à l'époque, et ça avait tellement bien fonctionné qu'ils se sont dit tiens, on va donner un tilt d'or à un logiciel. Et puis c'est Calamus en 89 qui a eu le sur Atari qui a eu le tilt d'or parce qu'il était révolutionnaire. En fait, il gérait les fonds vectoriels, il était très simple à utiliser, beaucoup moins cher qu'un Macintosh. On avait du WYSIWYG, on voyait tout ce que sur l'écran ce qui allait sortir, enfin en partie quand même. Et c'était vraiment le top du top. Calamus avait un peu révolutionné la PAO, enfin en tout cas pour le grand public. Et donc c'est SCAP qui l'éditait à l'époque. Bon, plus tard après ils ont dû arrêter hein, de l'éditer parce que bon, ça passait peut-être même par la Terre du Milieu, je crois, qui éditait ST Mag hein, à la fin de ST Mag. Ah oui, j'avais pas vu, on voyait en 3 là, domaine public, un catalogue complet de tous nos logiciels de domaine public. 25 francs, 30 francs la disquette, ce qui était un peu moins cher d'ailleurs que... d'ailleurs, je sais pas comment on avait le catalogue, mais en tout cas, c'était moins cher que Pressimage, hein, parce que je crois que c'était 50 francs. Hein. Et donc nos amis du chat IRC nous disaient que bah, ils sont allés chez SCAP acheter des domaines publics par exemple, et il paraît même que c'était ouvert le dimanche matin. Alors là, il m'était ouvert du mardi au samedi, mais... Sinon, qu'est-ce que... Voilà, donc, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme anecdote sur SCAP? Bon, finalement, c'était... Il avait quand même pignon sur rue, puisque... Puisqu'en fait, pas mal d'ataristes sont passés chez eux. Et donc, alors oui, je voulais quand même vous parler de InShape. Hein. InShape, c'était un logiciel de ray tracing, de mémoire, hein, ou 3D, je ne sais plus, ray tracing, qui permettait donc faire des images fabuleuses. Et oui, je vous disais, c'est un concurrent de POV, mais la différence, c'est que POV n'avait pas d'éditeur de... Il fallait tout programmer à la main. Ça ressemblait un peu à du C. Alors que InShape, il y avait un éditeur... intégré, d'où le prix de 1300 francs. Voilà. C'était un peu pour ça. Et donc SCAP, eh bien, écoutez, après enquête, a priori, ça devait être à la place de ce restaurant qui s'appelle Team Gad. Et donc c'est ici, a priori. C'était, donc vous voyez, on retrouve la Provence là. On retrouve le. On a vu la dernière fois le restaurant, le coiffeur africain qui est fermé, le chicken, le restaurant chicken là, et en fait c'était là-bas a priori.
ici. C'était donc ici. Eh bien, merci à nos amis ataristes qui m'ont donné l'info. On peut peut-être en voir en haut si on voit des disquettes Atari qui traînent. Ah, un bel immeuble. Si on zoome, peut-être qu'on peut des fois voir encore les stigmates domaine public. Non, peut-être. Non. Ah, il y a un mot là, mais je ne sais pas si on arrivera à lire. J'ai l'impression qu'il y a un fan, un atariste ici. Un atariste de cœur. Ah, c'est marqué grillade. Bon. Voilà, voilà pour SCAP. On a dépassé déjà les 1 heure de live. De live sur Twitch et bientôt en replay sur YouTube. Bon, est-ce que j'ai fait le tour? Je voulais peut-être vous montrer un autre jeu, mais je sais pas si on va le faire, ça peut-être pas très intéressant. On a dépassé les 1 heure et j'aime bien les petits un stream de 1 heure, ça va bien, je trouve. Ça va bien, ça va bien. Je pense qu'on a parlé à peu près de tout. Donc là, vous voyez, hop. Il doit y avoir l'info sur Galaxian, je pense. Non, c'est Namco. Galaxian. Voilà, voilà. Bien, bah écoutez, je vous dis à bientôt sur Twitch et sur en replay sur YouTube, la chaîne de Retro Dodo, la chaîne indispensable du monde Atari. Et à bientôt pour un prochain stream. Salut les ataristes et de cœur ou les fans, tout simplement.